Are you in for the next Morocco Desert Challenge? On a fait 8 jours, 8 étapes, 8 spéciales. Bon, moi j'ai eu la chance d'être un peu avec les deux et de switcher un peu avec les deux équipes, donc ça c'était chouette. Premier rallye, et puis je pense qu'on s'est tous super bien entendus en tout cas. Et on a un vainqueur. Ouais, on a un vainqueur ce soir. Le champion. Yes. Champion. Et il en manque un. Malheureusement, ouais, donc on n'oublie pas. La loi du rallye Rennes, ouais. Simon qui s'est pété la clavicule sur l'avant-dernière étape. Ça fait chier. Et lui aussi était dégoûté. Il va revenir en France. Et on va lui ramener son trophée. Il a gagné son trophée aussi. C'est pas fini. Comme on le disait d'ailleurs au podium là tout à l'heure, l'ambiance était vraiment chaleureuse, c'était vraiment sympa. Et après sur la partie course, c'est vrai qu'il y avait différentes sections rapides, enfin ce qu'on disait, il y avait du court, du rapide, il y avait un peu de tout, des beaux paysages, c'était vraiment une découverte pour moi. Du cassan, pour vous les quads. Mais moi en voiture, en SSV, c'était une première expérience et avec François qui est pas là, je sais pas où il est, au bar sûrement. Il est au bar, oui. On a vraiment pris du plaisir et c'est le plus important, et une bonne expérience. On a fait 3000 km, c'est ça ? 3000, ouais. Donc je pense que c'est pas mal. On a un stagiaire qui a monté et démonté les choses, qui a accompli sa mission. Le mec s'est donné quand même. Il a été utile. Il peut être embauché chez Decathlon maintenant. Il est habitué à toute tempête. Donc c'était sympa parce que, ouais, faut le souligner, il y avait toute une organisation sur le bivouac avec les tentes, des tempêtes de sable chaque soir presque. On n'a pas eu de bol là-dessus, je pense. Mais après, c'est vrai qu'on parle beaucoup de nous, les pilotes, mais il y a les chauffeurs aussi. Enfin, il y a toute la logistique qui. Toi, finalement, t'as découvert aussi Pierre. Ouais. Le monde de l'assistance. C'est dingue, c'est pendant que d'autres sont sur la course, d'autres s'activent, et c'est tout le temps comme ça, c'est tous les jours à 100%. Ben voilà, ça commence de 5h30 du matin jusqu'à 1h, 2h du matin, et c'est fou, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Ouais, ça c'est vrai, c'est un travail d'équipe parce que chacun a son rôle. Parce que, enfin, moi j'ai vu en tout cas toutes les heures passées avec tes mécanos sur la machine à vouloir réparer. Toute la nuit, bidouiller le quad pour qu'il puisse repartir. De mon côté, sur le SSV, le team a bossé toute la nuit pour essayer de trouver des solutions pour combler les problèmes qu'on a eus. Donc c'est vrai que même si le rallye raid, c'est un sport individuel, je pense qu'il y a besoin d'une sacrée équipe derrière. Quand on galère une journée, le lendemain, on se retrouve au milieu de paysages de fou. Ouais. On a vraiment vu des paysages de fou. Ouais, c'est vrai. Rien à perdre de vue, plat. On se retrouve seul au monde. Non, je pense que aujourd'hui, à terme de ce rallye, on a d'autres idées. En tout cas, pour ma part, si vous voulez suivre encore des prochains épisodes avec le kiné du Dakar. Moi, je veux mon stagiaire. Moi, ils me font mon café, tout le délire. Donc, j'espère que tu vas. En plus, je l'ai le rush où il fait le café. Tu pourras le mettre. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine. 2020 Dakar.